le bonjour à tous les amis et bienvenue, donc c'est Aaron Black, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve en ce lundi pour une vidéo sur Blair Witch, comme c'était prévu. Sachant que j'ai 7 heures de jeu sur Steam, mais on va pas compter les minutes de galère où j'ai essayé de chercher quoi faire. Donc on va dire que grosso merdo, on a 6 heures. Ouais, on va enlever une heure de galère, donc ouais, 6 heures. Et apparemment ce jeu a une courte durée de vie, donc on approche de la fin, déjà. Ouais, ça va vite. Je sais pas si cette vidéo sera la dernière. En tout cas, la dernière vidéo, j'ai affronté pas mal de monstres dans la maison, vous vous souvenez. J'en ai passé pas mal, hein, à l'aveuglette en plus, parce que bien sûr, il faut les passer dans le noir. Et comme d'hab avec ce jeu, ne vous étonnez pas si ça saute. La caméra et le reste, hein, je parle. Parce que regardez. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Ah, vous avez vu qu'il y a des ralentissements. C'est que avec ce jeu-là que ça le fait. Est-ce que ça a sauvegardé? Quand j'ai ramassé ça. Je vais te massacrer. Ah. On doit le suivre. Ils ont mis paquet là. Hein. Où je dois aller? Je suis perdu. Perdu le fil. Ah, c'était là? Ah, j'avais pas vu. T'as le rouge, ça fait mal aux yeux par contre, hein. Waouh. Dès le matin, là. On va tous les retrouver. D'accord. On n'a pas de faim ou quoi? Je pense qu'il est bon pour l'asile après ça. Hein. Waouh, ça fait bizarre. Le rouge m'a éclaté les yeux. Putain. Le rouge, c'est... Comment dire? Merde, j'ai oublié le mot. C'est très meurtrier, on va dire. Le basement. Je suis finalement ici. Peter. Peter. Peter, où es-tu? Ah, on approche vraiment de la fin là. On aurait retrouvé le gosse. Ah ouais. Je sais pas s'ils ont tous tués, mais peut-être. En tout cas, j'en ai trouvé pas mal moi aussi, hein. Bon, j'ai pas trouvé toute la collection, mais
J'en ai trouvé quand même. Après, je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui collecte beaucoup les objets dans les jeux. Bah, tu ouvres. Ah. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on, then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Bon, il a pas menti, c'est déjà ça. En tout cas, c'est bon, il est décidé à se faire un petit combat avec nous. Il va se faire un face-to-face. Bon, par contre, cette fois, va pas falloir se faire éclater parce que... En fait, à chaque fois qu'il s'est tapé avec Carver, il a perdu. Que bon. Ah, il est là. No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, shush. No, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush, 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 shush. Quiet, quiet, quiet. D'accord. You fuck! You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Eh mais Boulette, il est mort. Ellis a laissé sa rage et son désespoir prendre le dessus. Le cycle avait replié et Carver était de retour. Malgré ses blessures, Boulette survécut. On le retrouva plus tard près de la maison des Shannon. Jess avait coupé les ponts avec Ellis. Quand elle a appris ce qui lui était arrivé, elle n'a pas dit un mot. Aucune nouvelle de Peter. On sent pas les couilles du môme, c'est quoi ce jeu? Mais... En l'absence de pistes sur sa localisation, le corps du shérif n'a jamais été retrouvé dans la forêt. Le corps de Todd McKinnon a été retrouvé des mois plus tard dans la Syrie, décomposé et donc difficile à identifier. Celui qui s'est fait scier l'épaule, là. Et... Quoi? C'est tout? Mais... Il me restait vraiment pas beaucoup à faire, hein.
Qu'est-ce que c'est que cette fin bizarre? Ah mais en fait, on vous laisse pas le choix de la fin. Alors, en fait, les amis, si, il y a plusieurs fins. Je viens de m'en souvenir, il y a plusieurs fins. Sauf que moi, j'ai eu la plus pourrie, et celle qui, en gros, je pense... Allez, la majorité des joueurs ont dû avoir celle-là. Parce que s'ils ont fait comme moi, ils se sont laissés guider par le jeu, sans faire attention aux détails, hein, j'ai envie de dire. Dégage la souris. voilà, la majorité a dû avoir cette fin-là. Sinon, je sais pas combien il y en a au total. Mais forcément, dans les fins, il doit y en avoir une où il retrouve le gosse. Ou pas, d'ailleurs, parce que je pense que dans toutes les fins, on retrouve pas le gosse. Mais il doit y avoir une des fins où il finit pas comme, comme Carver. Parce que moi, là, j'ai eu la fin où je prends sa place et... Le chien n'est pas mort, mais... Ça se demandait comment il reconnaît son maître, vu que c'est plus le même mec. À la limite, on a l'impression qu'il va tuer le chien. Je suis curieux de connaître les autres fins, donc en fait, je suis en train de regarder. Hein. Ah, alors, j'ai plus de précisions. Il n'y a que deux fins possibles, et il y en a deux secrètes. Voilà, deux fins secrètes. Mais il y a la mauvaise et la bonne fin, et moi j'ai eu la mauvaise. je sais, je suis fort, hein. C'est toujours les mauvaises fins, de toute façon. Elles sont plus faciles à avoir. Attends. Foiré. Alors en plus, il y avait une astuce pour déverrouiller toutes les fins en même temps. Mais il fallait pas... il fallait faire un truc avec le chien. Il fallait pas faire ce que la sorcière vous demande. Il fallait rester loin des figurines que moi j'ai pris. Il fallait laisser les ennemis cachés seuls. Bon, ça, je pense que je l'ai fait. Et il fallait pas détruire des totems. Moi, j'en ai détruit pas mal. Et quoi, comment le savoir? C'est ça le truc. J'ai pas regardé, moi, avant. Ça aurait été un peu de la triche. Donc, voilà pourquoi la majorité des joueurs ont dû avoir la mauvaise fin. Bon, après, je peux toujours m'amuser à refaire le jeu et pour avoir la bonne fin. Ok, donc les amis, je viens de regarder la bonne fin. Elle diffère pas trop de la mienne. En fait, c'est juste le moment où vous allez vers Carver. En fait, la bonne fin, au lieu de le tuer, en fait, Carver se fait tuer par la sorcière. Et du coup, Ellis reste en mode humain, on va dire. Ils ont dit il a accepté ses démons, mais il se laisse pas contrôler par eux. Alors que moi, il s'est laissé contrôler. Voilà. Et la fin secrète, c'est... En fait, il appelle à la radio. Et en fait, il dit à la radio que le gosse a disparu. En gros, il informe tout le monde, quoi. C'est la fin secrète. Une des deux fins secrètes. Après, la deuxième, je l'ai pas vue. Donc voilà, n'hésitez pas à me lâcher le petit like si vous avez kiffé le jeu. Et à vous abonner, c'est pas déjà fait. Moi, je suis monsieur mauvaise fin, donc... faut s'habituer avec moi. Donc voilà, si vous voulez les autres fins, il y a que la bonne fin. Et les deux fins secrètes. Qui diffèrent de la mienne. Donc voilà. Et ben... À la place de Blair Witch, je vais décider quel jeu je ferai la prochaine fois. Et en attendant, on se retrouve demain pour une vidéo sur Gathaven. Et celle-là aussi, ce sera peut-être la dernière. Salut les gens, ciao.